Le cercle IPAG consiste à rapprocher justement les entreprises avec l'IPAG et avoir un certain nombre d'activités dont le comité de perfectionnement fait partie. Le comité de perfectionnement de l'IPAG a pour rôle de créer un lien entre l'école et les entreprises pour que les programmes ne soient pas trop théoriques et correspondent le mieux possible à la réalité du besoin des entreprises. Je pense que c'est très important parce que c'est le contact avec l'entreprise qui permet aux étudiants d'être plus opérationnels et d'être plus efficace lors de leur première intégration dans une entreprise. Le comité de perfectionnement peut contribuer à faire se rapprocher les besoins des entreprises avec le profil des étudiants qui sortent de l'école. Lorsqu'un étudiant est bien conseillé, lorsqu'un étudiant fait un stage qui est une réelle intégration dans une entreprise, eh bien, les entreprises sont satisfaites et le stagiaire a une réelle valeur ajoutée à la sortie de cette période de stage. On m'a confié cette présidence il y a seulement quelques mois. Mon rôle consistera principalement à être le lien avec le conseil d'administration de l'IPAG et puis essayer de fédérer les participants autour d'échanges concrets et constructifs par rapport au programme de l'école. Nous avons prochainement une réunion à la fin de l'été pour essayer, en ce qui concerne le cercle, de favoriser ce contact entre les entreprises et puis l'école.